C'est une visite de courtoisie que Sa Majesté Nabil Forefum Bombon Djoya, sultan et roi des Bamoun, a rendue au Ngondo ce 19 juillet 2023. Il avait dans sa suite une forte délégation de fils et filles Bamoun qui résident dans la ville de Douala. Il a été accueilli par les chefs de premier degré de l'ère culturelle Sawa, à savoir Maïlor Mbappé Banga, roi du canton Bélé-Bélé, Sa Majesté Dr Louis Dindika Akwa, roi du canton Akwa, Sa Majesté Eric Djamil Songhe, roi du canton Bakoko Djibouri, Epe Makoube, chef de Bonamundoro, représentant du roi du canton d'Aïdo. Au cours de cette visite, les dignitaires Sawa ont profité pour cette occasion pour présenter quelques difficultés qu'ils rencontrent avec ses représentants dans le département du Vouri. Il serait bien que vos représentants sachent que même s'ils sont vos représentants, ils ne sont pas chefs traditionnels parce que ça pose quelquefois un problème. Ils ne sont que des représentants de communauté, ils ne sont pas chefs traditionnels. Je pense qu'il faudrait leur faire comprendre parce que souvent il y a cette incompréhension et qui fait en sorte qu'il peut naître des malentendus qui ne servent à rien. Ça veut dire concrètement que vos représentants ne peuvent pas être vous. Ils ne sont que vos représentants, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se mettre au même rang que vous. Rappelons que cette visite intervient le lendemain de sa tournée de prise de contact avec les communautés résidentes dans le Vouri et quelques jours après l'installation officielle de Sa Majesté Roi Dindika Akwa au trône de son défunt père Dindika Akwa III.